Une pipe.
par frayeur pour bien des bénédictions. Oh!
Hein? Mets-le sur une de mes cornes. Je suis sûr qu'il m'ira à ravir. Non. Elle est partie. Elle se cache à nouveau. Peu importe. Les connaissances trouvées ici se propageront. Son travail est terminé. Ah! Elfe blanc, imposant. Un insigne. Un badge d'honneur. Les elfes en ont produit quelques-uns. Ils les suspendent devant leur demeure. Un monument à la gloire de Freyr. Je me demande s'il l'a jamais vu. Cette statue a peut-être survécu à la frayeur, mais ce n'est pas le cas de leur trêve. Les monuments sont inutiles si leur message est ignoré. Il n'a pas instauré cette trêve par la seule diplomatie. Sa divinité, sa simple présence est ce qui a permis à la paix de prendre racine. Il sait ce qui allait se passer. Eh bien,
Il avait une bonne raison de partir. Un certain abruti avait convaincu sa sœur d'épouser un fou. En normal, nous devrions leur apporter la nôtre. Peut-être qu'insérer un cristal de l'autre côté nous aiderait à faire la lumière sur ce mystère. Ah. Tu as dit que les monuments étaient inutiles. Pourquoi resterait celui-ci? Il est longtemps resté caché. Aujourd'hui, il pourra peut-être leur rafraîchir la mémoire. Rien de mieux pour rappeler un peuple à son histoire qu'un joli bout de marbre bien éclairé. Je dirais que l'inscription est à nouveau lisible. La lumière des cristaux, elle se diffuse dans le sable. Regardez-moi ça. Freyr est parti, mais son présent subsiste. Ou devrais-je dire, sa présence. Tu n'es pas drôle. Lorsque Freyr était là, la paix était fragile. Je ne crois pas qu'un peu de lumière dans le désert suffise à la faire durer. Avant de rencontrer Fey, je ne pouvais pas imaginer une vie de paix. Après sa mort, lors de notre voyage à Jotunheim, j'ai trouvé la paix par moi-même. Il en va de ma responsabilité de la faire durer. J'espère seulement que cela durera cette fois. Nous verrons bien. Aura offert une vraie chance. Freya, regarde. Une aube pruine. Encore une bête endormie, l'œuvre d'Alvis Pied de Roc. D'après la stèle, il existe une relique capable de réveiller les trolls. Penses-tu que nous pourrions l'utiliser sur ce troll? Encore une gravure de Yari et Sommer. Il doit y avoir un autre ingrédient non loin d'ici, mon frère. Thank you.
C'est un ingrédient de la recette. Comment ont-ils atteint ce royaume? Oh, voyager entre les royaumes était leur spécialité. Vois-tu, Icardia, se battre pour sa famille, trouver une épouse, mourir pour la gloire. Mais il a rejeté tout cela, il est parti. Il a suivi sa voie. Je ne serais pas surpris de retrouver leur marque dans d'autres royaumes. Il y a des similitudes, en effet. Il y a une différence. Tu ne maudissais pas les Valkyries. J'apprécie ton attention, mon frère, mais tu ne connais pas toute l'histoire. J'ai connu la douleur de la trahison. Et je sais ce qu'apporte la vengeance. J'espère pouvoir t'épargner une telle déception. Oui. Nous n'avons pas ouvert de porte mystérieuse depuis un moment. Impatient. Typique.
plus Ravenheim, on vous garde. Specky et Svana apprécieraient un peu de compagnie. Nous avons des niches. Ce ne serait pas leur rendre service. Une fois un prédateur habitué à un territoire, il est cruel de l'en éloigner. Tu as sans doute raison. Mais c'est tellement vide ici. C'est paisible. Et elles sont ensemble. C'est suffisant. Bien. Il s'agit hélas du dernier poème de Kvasir. Pourquoi ne pas écrire les tiens ? Voilà un moment que je n'ai pas trempé ma plume dans l'encrier de la poésie, mais... Pourquoi ne pas m'y réessayer ? Je me demande comment ces deux créatures se sont retrouvées attelées au traîneau. As-tu déjà volé à travers une tempête de sable ? Freyr a dû apprendre aux elfes noirs comment utiliser les gulons pour labourer les champs. Quand la tempête est arrivée, ils auront troqué la charrue pour un traîneau. Il les élève sûrement pour faciliter les trajets à la surface. C'est pas plus que toi. Emprisonner un dragon, entre l'admiration et l'effroi, mon cœur balance. Dans tous les...